ta tête. La première position de résistance, quand on appuie sur moi, on s'assoit. Okay. Alors, il faut essayer de tirer par là par-dessus. Hein, quelques-uns qui l'ont fait, on essaye. Hein, portez attention au côté là. Alors deuxième possibilité, toujours, il n'y a pas besoin d'attendre, toujours la même chose. Hein, la seule possibilité c'est de toujours pousser à ma poussée, et en même temps c'est de se sauver en se levant. Hein, okay. Alors, dans cette position, on va toujours contrôler les côtes. Et là on va essayer de monter le plus haut possible. Ok. Et on est face à lui. Hein, alors les jambes, c'est la troisième chose. Première chose, on prend le kimono pli. Et là, on vient face au partenaire. On peut prendre soit comme un peu hypotonagué, ou si on peut passer derrière. Hein, c'est un petit peu. Hein, donc ici. Et on retrouve la même position que tout à l'heure, on vient de face. Mais ça, c'est un très bon indicatif aussi au niveau des jeunes pour commencer à étudier cette position sur le dos. Alors, même chose, on peut soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Non, juste cet accrochage. Par contre, on a un petit indice qu'on essaie de tourner. Hein. Pour sauver ça avec la clé, on verra après. Hein. Donc c'est mieux qu'on retourne déjà. On peut mettre ceci. Hein. C'est-à-dire mettre la tête à l'extérieur. Et en plus, après, une fois qu'on est là, c'est de mettre ce genou le plus près possible. Hein, donc on est là. Okay. Hein, un petit peu, c'est l'idée qu'on joue sur ce genou, sur ce bras qui va essayer de retourner vers l'intérieur. Hein, c'est de retourner là. Ok. Donc, hein, tout de suite, tu sais faire quoi là? Tu résistes. Ah bon. Hein, tu résistes. C'est ce pour tout de suite. Voilà, ok. Dans cette position, donc, on va garder ce contrôle. Et on va changer ici la main qui est la ceinture. On va essayer de prendre le kimono le plus loin possible derrière, en dessous. Hein, et là. On est là, ici. Hein, donc on maintient cette pression et on passe l'autre main. Alors si on peut attraper le kimono, c'est bien. Et dès qu'on est là, tout de suite, on encercle. Là, toujours contre ce bras. Et on revient dessus. Tenir le plus possible dans le prolongement de son corps. Là, on est ici. Ah. Plus on sera dessous et plus la rotation. On passe dessous. Hein. On a plusieurs possibilités. Hein. Soit on réussit à prendre ce bras, hein, si on peut faire action. Donc là, on revient directement dessus. On peut également prendre celui-ci. Hein. Un petit peu sa réaction. C'est important, c'est de revenir de l'autre côté. Puis avoir l'inertie, hein, ça veut dire dès qu'on va le lancer. Je reste un petit peu. Hein, il y a l'inertie qui va vous dire. Hein, on peut accrocher là, ici. C'est une possibilité aussi. Une autre possibilité, toujours à partir de la défense, donc on essaie ici, remonter.
monter, toujours pour éviter de se faire prendre le bras. Hein. Et tout de suite ramener le bras ici. Donc, toujours en résistance. Et maintenant, on va s'asseoir sur son épaule. Ok. Et après, on roule en direction de ça. On laisse tomber les fesses de côté de ses fesses et on regarde sa tête. Ok, je remonte encore une fois. Bah, il faut bien garder en mémoire quand on serait sur l'opposition du partenaire. Hein. Hein, donc, ça sera la résistance, on va être obligé de m'entraîner par là. Ok. Voilà. Première défense déjà. Donc on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'il mette son genou devant. Donc la première chose c'est déjà aller chercher le opposé. Voilà, kimono au niveau du genou, à l'opposé. Dès qu'on est ici, on peut. Alors on peut faire un petit exercice simplement. Cette partie de là, on se fait ici. Voilà. Alors ce qu'il faut éviter c'est de faire ça, de pousser. C'est possible aussi, hein. Mais à partir du moment où vous poussez, il va résister tout le temps. Hein. Alors que là, vous esquivez, et bon, il n'y a pas d'opposition. Ici. Là. Okay. Alors, une fois que vous avez bien composé ça, vas-y, vous pouvez le faire. Et quand on est là, après on pousse. Tout le monde. Après, il faut pousser. Hein. Vous voyez qu'il ne faut pas pousser trop tôt. Hein. Parce que plus vous poussez tôt, plus il y aura de position après. Ici. On revient. Ok. Donc, c'est Steve. Hein. On a toujours de côté de. Allez, je vais faire la queue. Ça peut être dangereux. Ça. Donc c'est important de bien verrouiller et de tourner. Voilà. Donc, première chose. Ah, c'est pour ça que c'est important de ne pas pousser trop tôt. Parce que s'il a la vente, on peut difficilement articuler. Hein. Hein. Donc c'est mieux qu'on ait un peu plus. Si on n'a pas poussé, alors c'est mieux. Continuez la rotation. C'est ça aussi. Hein. Une fois qu'on est là, c'est bien contrôler et la manche et le bras du pantalon aussi. Hein. Alors bon, soit on pousse en arrière. Alors pour pousser, il ne faut pas pousser comme le temps directement vers l'arrière. Il faut pousser les jambes vers l'avant ici. Hein. En plus, ça dépend un petit peu de la réaction du partenaire. Soit on peut passer par la tête, soit on peut passer par les jambes comme je vais faire. Ça, c'est un petit peu justement sa réaction. Alors, pour le moment, si la clé ne marche pas, il faut toujours continuer à tourner. On a envie de dire. Ferme le pied, pousse tout en défense complètement. On prend ceinture, pas du pantalon. Hein, donc il n'y a pas de problème de passer les bras. Simplement 1, 2. Ensuite, on va venir s'asseoir. On va avancer le genou à l'intérieur. Ok. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'aller d'enfoncer le genou le plus loin possible entre ses bras. Hein. Ensuite, bien contrôler, c'est-à-dire ici, envelopper l'épaule avec le coude. Ok. Toujours contre ici, maintenant on va pousser sur le côté. En même temps qu'on va pousser, on va avancer sur lui. Allez, je m'ouvre ma tête, hein.
Je vais faire placer ma tête. Hein. Reste un petit peu, s'il te plaît. Il n'y a rien pas grand. Alors, l'exercice, c'est ça. Bon. Ok, tu dois se rester. Je vais essayer de rester. Tu essaies le plus près de vous. Ça va même partir en musique. D'accord, c'est important. Alors, dans les défenses. Dans les défenses, la première défense possible, souvent, le partenaire vient attraper la cuisse ici. Voilà, on s'accrocher. Pour la clé, il suffit de bien se mettre perpendiculaire et de passer dans le bras. Donc, la fin de fois. Il faut quand même essayer de retourner. Hein. Il ne faut pas y chercher la clé tout de suite. Donc, comme une tactique, c'est préférable. Ok. Cette défense. La taille est un petit peu coupée à tout à l'heure. Donc, alors, s'il y a une bonne défense, souvent, on n'arrive pas à passer ici. On retourne dans cette position, d'accord. Faut pas approcher, faut pas taper. On fait toujours pareil, on prend voir sinon. Faut s'amuser déjà un petit peu à tourner comme ça. Et là on va changer. Donc on va prendre là. On va passer derrière. Ici. On prend. Et toujours on contrôle sa tête. Hein. En suivant ses réactions, on peut revenir au judi. Vous voyez, on continue les fins. Ça peut marcher directement comme ça. Hein. On change de direction. Alors on peut faire un petit exercice pour mieux le sentir, ça. On essaye. On essaye, tu laisses prendre ton bras. Non, laisse le prendre. Hein? Essayez d'en tourner. Ouais. Hein? Ça fait un peu sentir la direction. Ok, donc on va passer le bras. Tourne ici. Toujours en résistance. Hein? On s'écarte. On revient un cheval sur la tête. Ok? Deuxième chose, on sera ton partenaire. Hein? On pousse. Toujours en pensée au niveau action-réaction. Hein? Donc on serre le plus loin possible. On va te prendre le vent. On suit toujours par sa réaction. Hein? Toujours il pousse et il essaie de se relever. Même chose, je viens prendre ici. Je m'approche le plus possible. C'est ça que je voulais dire, toi. Il y a une deuxième après. Après, on a vu sur la défense. Donc, on vient tout de suite accrocher. On s'approche. Tirer. Voilà. Donc, s'approcher. Après, on a vu les défenses. Pousse. Ok. Et après, l'autre approche.
accrochage. Ceinture, genou. On enfonce. Ok, donc à partir de là, on tourne avec le ventre. Soit on peut accrocher par en dessous également le bras. On avait aussi partenaire contre la cuisse, on dégage. Donc après, si on n'arrive pas à attraper, on va saisir ici. Ok. On positionne ici. On est là. Toujours mouvement arrière.